Il a donc suivi les conseils de cette dame et refait sa technique afin de donner plus d'ampleur à son jeu, plus de puissance orchestrale, plus de couleurs. Ça tombait bien, ses idoles de l'époque étaient Vladimir Horowitz et Guillaume Arnovès. Néanmoins, vous n'avez peut-être pas été sans le remarquer, dans le fortissimo, Magaloff n'a jamais pu bannir des duretés passagères qui lui viennent de l'enseignement reçu chez Philippe. Au soir de sa vie, Magaloff ajoutait que la même histoire s'était reproduite, mais que c'est Alexis Weissenberg qui avait été approché par la même dame, bien plus âgée, un soir qu'il jouait au Portugal. Avec son inimitable accent. Bonjour, yo tiens, je te vois, c'est vrai. Posez, prenez la parole.